côté que de l'autre. Donc vous avez une débouée à contourner, par la droite ou par la gauche selon le plan sur lequel vous êtes. On vous demande de bien les contourner. Au contour des boucles, il y a un arbitre et tout athlète qui ne contournera pas la boucle, la bouée sera disqualifiée. À la sortie de la partie de natation, vous avez obligation de ramener à votre emplacement tout le matériel qui vous aura servi. Ceci dit, les lunettes, combinaisons, pince-nez, etc. N'allez pas donner ce matériel à un tiers en cours de route, sinon vous aurez une sanction. Pour le passage à T1, transition 1, c'est-à-dire transition natation-vélo, le passage de la puce se fera à l'emplacement de l'équipe. Donc avant de prendre le vélo, l'athlète enlève sa puce et la passe au cycliste qui lui prend le vélo. À ce moment-là, se rend à pied, vélo à la main, casque sur la tête jusqu'à la ligne de montée où je serai, monte sur son vélo et s'en va faire ses 4 boucles de vélo. Vous avez 25 600 km à effectuer en 4 boucles. Pour le parti vélo, le dossard doit être visible dans le dos. Le drafting est autorisé, vous n'avez pas le droit aux aides extérieures. Tout jet de déchets ou abandon de matériel hors des zones de propreté est interdit et sera sanctionné. Au retour de la partie vélo, vous reviendrez dans l'aire de transition. Le passage de la puce se fera également à l'emplacement de l'équipe une fois le vélo posé. À l'entrée de l'aire de transition, vous devrez mettre le pied à terre à la ligne de descente. Le retour à votre emplacement se fera à pied, vélo à la main, casque sur la tête, jugulaire toujours serré. Vous devrez attendre d'avoir posé le vélo pour enlever votre casque. Une fois arrivé à votre emplacement, vous enlèverez votre puce et vous la passerez au coureur à pied qui, à son tour, pourra s'élancer pour la partie course à pied. Pendant la partie course à pied, elle consiste en un aller-retour sur le remblai de 6 400 km. Comme l'a dit Luc et souligné, il y aura un contrôle au demi-tour. C'est un tapis qui est posé au demi-tour, aux 3 200 km. Donc tout athlète qui n'aura pas été pointé à ce tapis sera disqualifié et disqualifiera son équipe. Les dossards devront être placés sur le devant du ventre. Au plus bas, au niveau de la ceinture et des bretelles de dysfonction, devront se tenir sur les épaules. Les fermetures éclairs ne doivent pas être descendues plus bas que le sternum. Vous n'avez pas le droit d'être extérieur, pas de jet de déchets en dehors des zones de déchets, sous peine de sanction. Un athlète qui passera la ligne d'arrivée sans dossard ne sera pas classé, ni son équipe. Dans le cadre de l'environnement durable, il est interdit de jeter ses déchets et autres emballages dans la nature. Les zones de propreté sont mises en place et à votre disposition. Tout athlète qui sera prêt à le faire sera disqualifié. Voilà, j'en ai fini pour les règles. Je vous souhaite à tous une bonne course. On se retrouve au départ à l'heure. Bonne course à tous. Amusez-vous bien. Quelques instants, retour sur la plage avec nos commentateurs. En attendant, page musicale. Alors l'équipe 135 est à la recherche de son cycliste, Monsieur Jouven, dossard 135. Vos deux coéquipiers sont très inquiets car ils n'arrivent pas à vous retrouver à quelques minutes du départ. Donc Monsieur Jouven, on vous attend d'urgence à votre emplacement. Dossard 135. Vous allez vous mettre au bas et puis le jet va vous monter, vous allez partir. Allez, c'est parti.
De relais. Et encore une fois, temps idéal, une mer calme, le soleil est présent, la chaleur est présente. Donc des conditions idylliques pour cette deuxième épreuve de la journée. On vous rappelle, c'est une journée qui se clôturera à 18h avec la course internationale. Les filles s'élançant à 18h, les garçons 8 minutes après. Avec un seul classement à l'arrivée, donc pourquoi pas sur le podium ce soir, une féminine. À l'issue de cette épreuve internationale que nous aurons bien sûr l'occasion de vous présenter. Le moment venu. Voilà, je pense que Olivier doit être un petit peu mélangé au flot d'athlètes qui se dirigent vers le départ natation. Olivier ? Oui, c'est le cas complètement, Pierre. Effectivement, le flot d'athlètes... Eh bien, s'amasse donc sur le départ natation. On se dirige tout droit vers ce départ et essayer d'attraper quelques petites remarques de façon à savoir quel est actuellement l'état d'esprit dans les têtes de nos nageurs. Voilà, donc vous, Steve, vous allez avoir une vue un petit peu plus, je dirais, globale, un petit peu plus en hauteur de cette partie natation. Ouais, voilà Pierre, exactement. Et moi, je vais me mêler à la foule, impressionnante des spectateurs qui sont là, massés le long de ce remblai avec, vous le disiez, hein, ce superbe spectacle qui va s'offrir à nous dans quelques minutes avec ce départ des nageurs. Et on va peut-être, voilà, dans le public, essayer également de recueillir quelques impressions des gens qui vont assister au spectacle. Allez, l'ambiance est bien là. Le public a répondu présent et on vous en remercie, ne serait-ce que pour toute cette organisation. On remerciera bien sûr la ville de La Baule, tous les services techniques qui depuis plusieurs jours travaillent sans relâche pour placer le site sous sécurité maximum. Les écrans géants vont vous permettre de suivre l'intégralité de la course. Un grand, grand, grand merci à cette école d'Audencia Nantes qui tous les ans remet le couvert avec une nouvelle équipe d'organisation. Croyez-moi, ce n'est pas une petite affaire, mais le résultat est là. Et on est surtout très heureux pour eux que le temps soit de la partie. Retour avec Olivier. Donc pas d'Olivier. Steve, pour une interview sur le remblai. Oui Pierre, nous sommes donc juste devant le deuxième sas de départ, celui de la région Pays de la Loire, avec... eh bien, un certain nombre de concurrents évidemment qui attendent derrière la ligne. Allez, peut-être... Une ou deux remarques l'année au hasard, comment ça se présente ? Bah bien, très bien. On va donner tout ce qu'on a. Voilà Pierre, bien, très bien, on va donner tout ce qu'on a. Donc voilà les quelques informations qu'on a pu glaner. Merci Steve de votre côté au niveau du public. Peut-être avec des parents de la famille. Venez encourager des équipiers. Alors, pas de Steve, donc on reste sur une page musicale avant de retrouver la plage avec toujours ces belles images de la mise en place de tous ces nageurs prêts à en découdre sur les 500 mètres de natation. Environ 25 km ensuite en 4 boucles. Et puis et l'aller-retour sur le remblai pour environ 6 km 400. Pierre, ce qu'on peut ajouter, c'est les très belles images qui sont réalisées aussi par... le pilote d'un drone juste au-dessus de ce départ natation du premier SAS, celui du Conseil Général de Loire-Atlantique. Un drone présent depuis ce matin qui va nous réaliser sans doute de très très belles images. Alors je pense également les jet skis vont faire une démonstration concernant les parcours pour que les triathlètes, les nageurs puissent les visualiser.
On remercie d'ailleurs toute cette organisation sur l'eau, organisation très, très professionnelle, avec l'association Jet Team Médoc, le club de plongée de l'APSCA, le CFI SNSM de Vendée, le club de canoë-kayak CKPCA, le club de plongée Gwenran, bien sûr la police municipale et nationale de la Baule, l'association Sécurité Moto 85, sans oublier la Croix-Rouge française et le docteur Bélanger pour l'antenne médicale. Et encore une fois, effectivement, des conditions parfaites pour cette partie natation sur 500 mètres. Voilà, Pierre, si, on est vous avez calé avec Luc Châtelier. Alors, on vous précise quand même que les autres membres des équipes, c'est-à-dire le cycliste et le coureur à pied, doivent rester dans le parc. Vous ne pouvez pas en sortir pour le réintégrer ensuite. Hein. Vous restez dans le parc. Vous pouvez effectivement, comme certains, vous échauffer, mais vous devez rester à l'intérieur. Olivier. Eh bien, écoutez, Pierre, on est dans l'autre sas de départ. Donc, cette fois-ci, on va essayer d'aller chercher quelques infos des triathlètes. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire avant le départ ? Bonne chance. Merde à tous, voilà. Bonne chance à tous, voilà. Bonne chance à tous. Avec ces très belles images. Simon, Edith et Victor, que je les adore. Voilà, Simon, Edith, Victor, on vous adore. Enfin, surtout le... C'est Richard. Voilà, surtout Richard. Un petit mot. Allez, attention, voilà. Démonstration avec les deux jet skis pour le parcours natation. On les voit à l'écran. C'est parti donc pour ces 500 mètres. Un parcours simple, hein. C'est un carré, voire un rectangle, mais rien de bien compliqué. Mais cela donnera des images très spectaculaires, puisque je vous le rappelle, il y aura deux départs en parallèle. Voilà, virage à droite pour un jet ski et virage à gauche, bien sûr, pour l'autre. Là, on suit le départ situé sur la droite et retour, bien sûr, sur la plage avec un petit peu de course à pied avant de rejoindre l'aire de transition, de donner la puce qui est le témoin au cycliste qui lui s'élancera sur la première de ses quatre boucles. Allez, le départ est imminent, la régie, la musique est prête pour accompagner dans quelques instants ce départ avec certainement là encore Olivier des claquements de mains, des battements de mains avant le départ, comme le oui, voilà écoutez, coutume. On a eu tout à l'heure des claquements de mains, ça a tapé un petit peu dans les mains, mais je ne sais pas s'ils vont pouvoir le refaire, Pierre. Est-ce qu'ils vont pouvoir retaper dans les mains? On va voir. Et voilà, il suffit de demander. Voilà, Pierre. Ah, voilà également beaucoup d'ambiance, hein, Pierre, sur le remblai. Je suis notamment au côté de Aude, hein, qui vient pour la première fois, qui va avoir le plaisir d'assister. Non, au attendez, départ. Steve, on le prendra juste après, le départ est imminent. On va attendre que le départ soit donné. Et ensuite, on vous retrouvera sur le remblai. Et c'est parti, musique ! Et toujours ces images surprenantes, avec certainement quelques coups de coude à droite ou à gauche. La lessiveuse est mise en route et on leur souhaite bien sûr bonne chance. Comme ce matin, on peut constater qu'il y a des équipes très complètes avec nageurs, cyclistes et coureurs à pied, chacun bon dans sa spécialité. Allez, on retrouve Steve. Steve, pour les impressions sur le remblai par rapport à ce départ. Oui, oui, Pierre, je suis effectivement aux côtés de Aude, hein, Aude qui nous vient de Paris, qui est la Baule ce week-end pour des circonstances un petit peu particulières parce qu'elle vient dans le cadre d'un mariage. Aude, vous le disiez tout à l'heure que c'est la première fois que vous assistez, vous connaissiez le triathlon de la Baule, c'est la première fois que vous avez le plaisir d'assister à ce départ en direct. Donnez-nous un petit peu vos impressions sur ce spectacle. Effectivement, c'est la première fois et je voulais supporter une équipe
d'amis qui viennent de juste de partir à l'instant. Et on m'avait dit qu'effectivement, c'était une cohue infernale au départ de la natation et c'est impressionnant. Alors, est-ce que ça vous donne envie, je ne sais pas, peut-être un jour de constituer une équipe avec des amis, en famille ou pour vous essayer peut-être au triathlon vous aussi? Écoutez, je me suis déjà inscrite deux fois et à chaque fois, j'ai abandonné au dernier moment. Bon, alors on vous donne rendez-vous en 2015, Aude? Peut-être. Voilà, peut-être, merci à vous, et puis on vous laisse profiter du spectacle, et puis bah, bon mariage auprès des vôtres sur ce week-end à la Baule. Alors Olivier, vous sur la plage, bien sûr l'ambiance est un petit peu retombée, je pense que la sortie de l'eau nous montrera notre visage des gens présents. C'est tout à fait ça Pierre, mais c'est surtout qu'on assiste à une migration de la population, hein. Des mouvements terribles qui passent du sas de départ au sas de sortie, donc tout simplement un mouvement de foule sur la plage, donc... Eh bien, avec évidemment, on se met en position pour pouvoir les accueillir à la sortie de l'eau, les encourager comme le public vaulois sait le faire, et puis eh bien, distiller tout au long de cette longue sortie natation eh bien, les encouragements, les mots, les applaudissements qu'il convient de bien vouloir envoyer pour que les concurrents puissent aller jusqu'au bout. Allez, c'est parti, bien parti. Donc, dans quelques minutes, bien sûr, les premières sorties de l'eau. Avec par la suite pas mal de bousculades dans cette aire de transition pour retrouver ses partenaires. Des cyclistes qui s'élanceront, on vous l'a dit, sur les 24, sur les 25 km environ de vélo. Retour sur le Ramblay avec Steve. Eh ben écoutez Pierre, je suis effectivement au milieu de la foule des spectateurs, une foule vraiment impressionnante, on le disait tout à l'heure. On déambule, on scrute l'océan et puis on se retourne de l'autre côté. Beaucoup d'effervescence également dans l'aire de transition. On continue les derniers ajustements de matériel, on continue de s'échauffer. On a envie, voilà, eux aussi ont envie d'en découdre, alors que dans quelques instants, j'ai l'impression, Pierre, vous allez me le confirmer sur le grand écran, les premiers nageurs vont arriver pour contourner la première bouée. Eh bien voilà, effectivement, la première bouée est contournée. Maintenant, on se trouve sur une portion parallèle à la plage avant de repiquer simplement vers le sable. Allez, petite page de publicité. On a le temps, partenaire, sponsor de cette 27e édition. Sur la gauche. Rebrousser chemin, quoi qu'il en soit, c'est un long défilé effectivement derrière eh bien, les bouées et le retour est amorcé, on le sait, pour les premiers concurrents. Donc alors pour Steve, de votre emplacement, vous avez l'impression que entre les deux vagues, ça s'égalise un petit peu aux avant-postes? Écoutez Pierre, c'est compliqué à dire avec l'histoire de la perspective. On a l'impression quand même que du côté droit, ça va un petit peu plus sortir un petit peu plus en avance. Mais bon, je ne m'affirmerai, je ne suis pas positionné exactement, précisément, de façon symétrique par rapport aux deux parcours. Allez, dans quelques instants, les premières sorties. Et l'enchaînement avec le cycliste. Sur 25 km 600 exactement, en quatre boucles. Les premiers concurrents qui ne vont plus tarder maintenant et nous retrouvons Olivier à la sortie de l'eau.
Olivier, c'est à vous pour cette sortie natation. Eh bien, il semblerait que ça ait nagé plus vite d'un côté que de l'autre, Pierre. Hein, côté droit, on est dans l'attente avec encore une centaine de mètres. Côté gauche, les deux dernières bouées, eh bien, sont plus qu'en vue. Donc, ça a nagé plus vite. Les meilleurs nageurs étaient côté gauche cette fois-ci. Voilà, la dernière bouée, la porte est contournée par le meilleur nageur qui, dans quelques instants, eh bien, sortira entre les oriflammes du Conseil Régional Pays de la Loire. Alors, il y a combien de mètres à peu près à parcourir jusqu'au parc, Olivier? Ah, alors, selon son emplacement, il peut y avoir une belle course à pied quand même jusqu'à son jusqu'à box. Jusqu'à l'entrée du parc. Jusqu'à l'entrée du parc, on a 100 mètres sur la plage. Après, la montée des escaliers qui fait pas baisser le rythme du palpitant. Et puis, derrière, il y a le parc à traverser. Ça peut être 100, 150, 200, 250 mètres encore. Hein. Donc, ça peut devant la maman. Voilà, d'ailleurs, il a les pieds qui ont repris contact avec le sol, le sable. Il va bientôt quitter l'eau. Et voilà, vos applaudissements, mesdames et messieurs, pour le meilleur nageur du jour. On vous rappelle bien sûr qu'avec Ipitos, la chronométrie, nous aurons un physique, de... Pierre. Alors j'étais à côté d'Hervé Delaunay, un physique qui nous fait penser à Anthony Pujade. Vraiment, alors on sait que c'est pas lui, parce que si Anthony était là, je pense qu'il aurait plus été sur la course élite. Mais vraiment, vraiment un physique d'Anthony Pujade. Voilà, dans quelques instants, les premiers cyclistes sortiront. Nous aurons bien sûr les noms des équipes qui s'afficheront sur nos tablettes. Voilà, Pierre, dans quelques instants, je suis aux côtés d'un spectateur qui scrute l'évolution des nageurs avec attention. Olivier, vous supportez, j'ai l'impression, plusieurs équipes aujourd'hui. Une équipe mayonnaise, trois équipes mayonnaises. Alors, Pierre-Yves, Maxime, Émilie, hein, le 2M. Stéphanie, JC et la Tata. C'est la première. Laetitia aussi. Et Laetitia aussi, d'accord. C'est la première fois qu'ils vont le triathlon de la Baule ou pas? Alors il y a une équipe qui a déjà fait le triathlon l'année dernière. D'accord, allez, ça arrive dans le parc, Pierre, à l'instant. Et vraiment beaucoup de bruit, beaucoup d'encouragement pour les premières équipes. Première équipe 543, semble-t-il. Allez, l'ambiance va monter, la musique aussi. Allez, dans les toutes premières positions, hein, semble-t-il, l'équipe de l'Olympic Club Sessonnet. Allez, faut remonter le parc, bien sûr, retrouver son partenaire vélo, lui remettre la puce, le fameux sésame, qui sert de témoin. Ah, je peux vous dire, Pierre, que la première difficulté voilà, qui rencontre les nageurs. L'équipe des Sauvages devant l'ICAM Nantes. Un chrono de pas loin de 15 minutes. Natation plus le déplacement sur le sable et bien sûr la transition. Très bon chrono. Et Pierre, je peux vous confirmer que la première difficulté qu'a rencontré les nageurs à l'arrivée dans l'aire de transition est de retrouver leur emplacement. On voit plusieurs concurrents qui ont dû faire marche arrière, qui hésitent, tant la foule est impressionnante dans cette aire de transition. L'équipe Kiss Cool, suivie de Central Lille Running. Les rapportés des Pasquiers. Voici l'équipe 6 de Poissy, des jeunes qui sont là également. Donc les Sauvages, l'ICAM Nantes, l'équipe Kiss Cool, Central Lille Running, Poissy équipe 6. Les rapportés des Pasquiers, maintenant nous avons l'ICAM Vendéen. Et derrière, Brel 1975, suivi des Petits Loups. Derrière les Petits Loups, une autre équipe de Poissy 5 et l'équipe de Poissy 2. À l'Épiciaké qui sont en force dès le début de cette épreuve, les Black Pampers, Joli Kiki Radi, l'Arrache Team, Maquet c'est possible à qui, l'équipe Jax. Allez, une bonne douzaine d'équipes maintenant et ça va se succéder avec le Team 3B,
Le mat 72, les Ligériens, les bras cassés, l'équipe cadeau, le tri-rameur, le RVT 1, Plomeur, triathlon, les inconnus, Team Tiburce. Allez, ce long défilé maintenant qui va se dérouler devant vous et on les accompagne en musique. Allez les étudiants, continuez d'applaudir, d'encourager le public également. Ils ont besoin de vous. Voilà, dépassez bien la ligne, dépassez bien le drapeau rouge. Dépassez le drapeau rouge avant de monter. Avancez, avancez, de façon à ne pas créer un bouchon sur la ligne de montée. Allez, n'hésitez pas à avancer de plusieurs mètres au-delà du drapeau rouge. Avancez, 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 ne montez pas tout de suite. Prenez un petit peu d'avance pour être tranquille sur la montée vélo. Avec pour l'instant, jour, ces images de la partie natation. Et dans quelques instants, retour avec la tête de course vélo. Allez, l'équipe Axel et Axel, le team Saint-Léger, Aglagla, les Rochetons, les Bigorneaux, les Waterpoteaux, Galette Canary, le team Family Ganal Pasquier, Pygmalion, Orlan. Allez, vos applaudissements, vos encouragements pour toutes ces équipes. Allez, mesdames et messieurs, on fait du bruit, on tape dans les mains pour les triathlètes. Et dans quelques instants, nous recevrons Éric Depen pour l'association Rêve. Nous attendons l'étudiante d'Audencia, puisque je vous rappelle, il y aura une remise de maillot. Voilà, donc c'est Nicolas Vergne, le président d'Audencia, compétition du moins qui sera présent également sur le podium. Et nous aurons aussi quelques mots de l'équipe Chouka. Allez, avancez, avancez, ne restez pas bloqués au niveau du drapeau rouge. Avancez d'une bonne cinquantaine de mètres pour monter sur vos vélos tranquillement, sans que ce soit la bousculade. Avancez, avancez, n'hésitez pas. Vous dépassez le drapeau rouge et vous avancez, s'il vous plaît. Vous éviterez tous les bouchons, avancez. Allez, la sortie de l'air de transition là sur les encouragements des pom-pom girls d'Audencia. Alors, rappel aux triathlètes qui sortaient de l'aire de transition, là, hein, courez suffisamment longtemps après le drapeau rouge pour ne pas créer d'embouteillage. Voilà, et n'hésitez pas à courir quelques mètres supplémentaires avec votre vélo à la main. Allez, les équipes, les costauds, les golfeurs, menuiserie, les Marisa, Shadowcla, Black Power Team, Ramon Ibelico One, les Cous, allez, allez, on les applaudit, on les encourage. Ils s'élancent pour la première des quatre boucles. Avancez, messieurs, mesdames. Ne restez pas à hauteur du drapeau rouge. Avancez, avancez avant de monter sur vos machines. Voilà, Nicolas Vergne nous a rejoint. Alors on va changer un petit peu de sujet pendant quelques instants, puisque nous avons le plaisir d'accueillir Éric Depen, président de l'association Rêve. Alors on profite bien sûr, Éric, qu'il y ait un petit peu de monde sur ce remblai pour parler de votre association. On sait que c'est pour des enfants malades, vous allez nous en dire un petit peu plus. Oui, l'association Rêve réalise depuis maintenant 20 ans le rêve des enfants gravement malades, puisque leur pronostic est engagé,
Et donc, ça leur permet d'offrir une parenthèse dans ce parcours parfois difficile contre la maladie. Alors justement, cette implication aujourd'hui à la boule, vous la placez sous quel signe ? Eh bien, dans un cadre de rêve, avec les valeurs du sport, de l'abnégation, de l'effort, je crois que c'est aussi ce qui porte nos enfants, même s'ils sont malades. Et je crois que voilà, c'était un beau symbole que cette belle manifestation soit aussi organisée en faveur de nos gamins. Voilà, et les étudiants d'Audencia vont vous offrir un beau cadeau. C'est donc Nicolas Vern, le responsable de toute l'équipe organisatrice, qui va vous remettre le maillot d'un joueur du FC Nantes, Jordan Vertu, qui a été champion du monde des moins de 20 ans, et ainsi qu'une très belle photo du même joueur. Donc je vous demande vraiment d'applaudir le geste de Jordan Vertu, s'il vous plaît, et un grand bravo pour cette association qui fait énormément pour les enfants malades. Il a également des mains du directeur de la société Chouka. Ce cadre, voilà, qui sera certainement mis en bonne place. Alors cette initiative, elle est partie comment, cette idée, Nicolas ? Eh bien, on voulait soutenir une association qui œuvre pour le bien de tous. Et notre responsable développement durable et handisport a choisi Rêve d'enfant pour plusieurs raisons. On trouvait que leur association faisait vraiment du super travail. On a voulu les aider dans ce qu'ils faisaient. Et donc du coup, on les a contactés. Ça a très bien fonctionné. Et c'est comme ça qu'on est devenu partenaire de Rêve d'enfant. Voilà. Allez, vos applaudissements une nouvelle fois, s'il vous plaît, pour les étudiants d'Audencia et bien sûr cette association Rêve qui fait beaucoup pour les enfants. Merci monsieur Depin de votre présence. Et nous avons également Chouka. Alors Chouka est dans le stand du développement durable, mais Chouka, au-delà du fait que vous allez pouvoir goûter une boisson très particulière basée sur la fleur d'hibiscus, ils ont aussi une action très très importante au Nigeria. Ils vont nous dire quelques mots sur cette action. Alors tout d'abord, notre action au niveau du développement durable va être sur donc s'investir dans les communautés. Aujourd'hui, c'est s'investir dans une communauté au Nigeria en les aidant. Donc à travers des actions concrètes telles que l'éducation, scolarisation des enfants, aussi tout ce qui va être amener de l'eau, les aider pour qu'ils puissent développer la culture dans leur pays. Et après, c'est pas qu'au Nigeria, c'est aussi travailler avec des communautés locales. Donc on est en partenariat avec le FC Nantes, et c'était juste l'occasion de demander l'aide du FC Nantes pour pouvoir récupérer un maillot signé du champion des moins de 20 ans de football, Jordan Vertu, pour l'association Rêve. Voilà. Merci, on vous retrouve bien sûr sur le stand du développement durable. Vous pourrez goûter, au-delà donc de ces jus de fruits naturels à base de fleurs d'hibiscus, vous pourrez également poser des questions par rapport à cette expérience tentée au Nigeria. Merci messieurs de votre présence. Retour à la course avec Steve, et ensuite nous retrouverons dans quelques minutes les pom-pom girls. Donc on va leur demander de se rassembler près du podium pour nous faire un nouveau flash mob, mais cela dans quelques minutes. Steve, retour à la course. Oui, en ce qui concerne la course, on a vu il y a quelques instants la tête de course, donc un homme en tête semble-t-il, avec une petite trentaine de secondes d'avance sur ses poursuivants, qui donc a terminé sa première des quatre boucles de vélo. Allez, ça continue de sortir, on n'est plus très très loin des derniers concurrents maintenant, avec ces images sur le remblai, et certainement les leaders, suivi par la caméra de tête. Allez, musique, applaudissements pour les groupes qui passent devant nous. Nicolas, regardez ce qui se passe sur le podium. Nicolas Vern s'associe aux Pop-Pom Girls pour ce premier flash mob. La régie se prépare dans quelques instants. Nous allons lancer sous le soleil
un flash mob. Alors nous allons demander à tout le monde de participer, tapez dans vos mains. Si vous ne connaissez pas la danse, c'est pas grave, on tape dans les mains et on s'associe à cette belle danse. C'est parti la régie, go! Et on a le droit de taper dans les mains dans le public. Eh mais j'ai l'impression que les étudiants la connaissent, hein. Oui, oui, mais il faut que le public tape dans les mains aussi, allez. Allez public, on tape dans les mains, allez, allez, allez. Attendez, ça c'était l'échauffement, hein. Ça c'était l'échauffement, allez, on se la refait. On se la refait. Vous êtes d'accord? Allez, on se la refait, attention, on est en place. Et là, même s'il y a des enfants qui peuvent venir danser sur la scène, venez nous rejoindre sur le podium. Allez, c'est parti. Ils sont chauds les étudiants là! Chaud, 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 chaud!
Bravo les étudiants. On vous retrouvera bien sûr dans quelques minutes pour une autre flash mob alors que la course continue et que nous avons le plaisir aussi de vous annoncer que dans cette course, il y a une équipe, l'ENA Association, soutien et solidarité à l'association l'ENA qui a été créée en 2013 pour améliorer le quotidien de l'ENA et de sa famille, soutenir la recherche contre les maladies mitochondriales notamment. Donc ils sont là pour les soutenir moralement et matériellement. Nous sommes aussi de tout cœur avec eux. L'association l'ENA représentée dans l'épreuve du tri relais grand public. Merci Pierre pour ces informations. Alors vous l'avez vu, en attendant, les concurrents ne se sont pas arrêtés pour le flash mob avec nous. Ils sont sur leur flash tour de vélo pour l'instant. Et ils enchaîneront, vous le savez, avec un ultime relayeur sur la partie course à pied. Donc 6 km 400, c'est très simple. 3 km 200 le long du Romblay. Un beau demi-tour et on repart dans l'autre sens pour le final. De notre côté, bien évidemment, on reste en musique avec GPS sonorisation. Les images, la tête de course en rose avec toujours les somptueuses images d'ATV Productions. Régis et son équipe du très 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 bon boulot qui nous permet d'en profiter. On vous rappelle qu'après cette course et après la remise des prix qui sera tout de suite à la fin, eh bien, à 18h, on aura la place à la course Prestige, la course élite internationale, sous la forme d'un contest. 18h00, une vingtaine de féminines s'élanceront et 8 minutes après, une quarantaine de masculins, eh bien, seront lancés à leur poursuite. Les mêmes parcours, les mêmes distances, un seul objectif, franchir la ligne en tête, qu'on soit femme ou homme. Allez, le groupe de poursuivants là qui vient de passer avec une cinquantaine de secondes de retard sur l'homme de tête. Restez bien avec nous, hein. Comme vous l'a dit Olivier, la fête est loin d'être terminée. Et puis demain nous aurons encore trois grands moments avec un triathlon distance S le matin. Aux alentours de midi, ce sera la place aux enfants. Et l'après-midi, le traditionnel court distance qui clôture ce week-end à La Baule. Allez, on continue d'applaudir, d'encourager, d'accompagner en musique tous ces garçons, toutes ces filles qui sont venus faire le spectacle. Alors s'il vous plaît, il y a un véhicule, une camionnette du groupe Passion Pomona exactement, Passion Froid, qui est très mal garée. Elle est devant la mairie et elle gêne le passage de la navette urbaine. Donc s'il vous plaît, le conducteur de ce véhicule est prié de le déplacer de toute urgence. Une fourgonnette Pomona Passion Froid, elle est de couleur blanche. Donc s'il vous plaît, c'est urgent car vous semez un petit peu la pagaille dans les trajets urbains avec la navette. Merci.
On monte le son, on met un petit peu de gouache dans la musique, le public, on continue d'applaudir, d'encourager tous ces passages. S'il vous plaît, on demande une équipe médicale. Attention, les gars, attention. S'il vous plaît. Le médecin est attendu à la sortie de natation. Merci. C'est urgent, hein. C'est urgent. S'il vous plaît, sortie de natation. Mais le docteur Béranger est attendu d'urgence. On rappelle, le docteur Béranger est attendu de toute urgence au bord de l'eau. A priori, il y a une erreur de parcours pour le concurrent qui vient d'entrer dans le parc, à moins que ce soit un abandon. Mais vous n'avez pas fait l'intégralité de vos tours. Alors, erreur de parcours ou problème technique, mais vous risquez d'être mis hors course. Quelques instants, nous allons vous amener à faire une grosse, une grande, une immense hola. On vous tiendra au courant, bien sûr, accompagné par les étudiants d'Audencia. Donc on demande au public de se préparer mentalement à cette hola dans quelques minutes. Allez, on tape dans les mains. Pour l'instant, on encourage toujours ces passages. Et on se prépare pour la fin du vélo. Allez, mesdames et messieurs, on va compter sur vous dans quelques minutes pour
saluer le retour dans l'ère de transition des cyclistes. Alors ce qui serait sympa, c'est qu'on arrive à faire une belle hola. Hein. Pierre Cessiot nous en parlait à l'instant. Ah ouais, mais ça, je sais pas si ça va être possible, hein, Steve. Hein. Faudrait que le public soit chaud bouillant, quoi. Hein. Ah, d'autant plus que le mode d'emploi est très très simple, hein, mesdames et messieurs. Oh il suffit là. Oh là là. De mettre les mains en bas. Et puis au passage des courants, on lève et on fait comme ça une belle vague pour saluer l'arrivée des cyclistes. Isabelle, elle a compris. Fais voir, Isabelle, comment tu fais. Là, et là, et là. Allez, c'est simple, c'est simple. Ouais, je sais pas, je pense que peut-être le public, on peut tirer quelque chose de ce public, Steve. Ah, et Olivier, la semaine dernière, du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, ils étaient 10 fois moins nombreux et ils ont réussi. Donc là, on compte sur vous. Olivier, Steve et Olivier vont se déplacer sur la pelouse centrale un peu après l'écran pour motiver un peu le public qui est là en face. Il faut qu'on vous voit les garçons pour que le public vous suive cette hola. Ils vont nous voir. Là pour l'instant, il y a danger, il y a vélo, Pierre, mais ils vont nous voir tout à l'heure. On va laisser partir, laisser poser les vélos et quand ça va s'élancer en course à pied. Donc, ce qui serait bien, c'est que la hola accompagne l'entrée dans le parc. Hein. Allez, mesdames et messieurs, vos encouragements là pour notre ami paratriathlète qui va amorcer le demi-tour vélo. Allez, vos encouragements de l'autre côté, mesdames et messieurs. Là, hola pour le paratriathlète. Allez, est-ce que le public va être capable de nous faire ça? Ah, pour l'instant, Olivier, ils sont un petit peu endormis là. Mais ça, c'est le problème de la pause après le repas. C'est presque la sieste en fait pour le public là pour l'instant. Allez, on les aide un peu à relancer cette monture sur la boucle suivante. Allez, on se met un petit peu en danseuse et c'est reparti pour un tour. It's
doesn't have to be the same. It doesn't have to be the one. We doesn't have to be together. It doesn't have to be the same. And doesn't have to be the one. We doesn't have to live forever. Alors que les leaders de course sont sur le retour. Un homme seul en tête, deux poursuivants sur la moto 2. Allez public, on se prépare. Ça ne va plus trop tarder. Allez Steve, on va peut-être commencer à faire monter un peu l'ambiance avec cette eau-là que tout le monde attend. Allez mesdames et messieurs, effectivement je compte sur vous, l'homme de tête, il me semble qu'il arrive. Là en face, on va baisser les bras et quand le cycliste va arriver, on l'élève, on fait du bruit, le voilà. L'homme de tête, juste à côté, il va rentrer dans l'air de transition, mesdames et messieurs. Là, voilà, attention, allez, c'est parti, chaud. Hey, hey. Alors, mesdames et messieurs, la même chose de ce côté-ci, quand il va sortir, le dernier relayeur, le coureur à pied, on va vous demander de lui faire une belle surprise, une belle hola pour le porter, pour l'encourager. On avait tout à l'heure une cinquantaine de secondes entre l'homme de tête et puis les poursuivants. Allez, attention, semble-t-il, les prochains concurrents. Le premier groupe de poursuivants va dans quelques instants également arriver. Alors, ils étaient deux, Steve, tout à l'heure. Hein. Deux en poursuite, en chasse-patate. Voilà, les voilà, mesdames et messieurs, vos encouragements. Allez, les bras levés. Et on tape dans les mains. Et on va tenir bon pour les accompagner en sortie de parc également avec le relayeur. Oh, je crois que c'est parti très très vite. Attention, ça va sortir de l'aire de transition. Le coureur à pied de l'équipe est sur la moquette bleue de sortie de parc. Allez, mesdames et messieurs, on se tient prêt ici, s'il vous plaît. Là, là, c'est les bras en bas. Et au passage du coureur à pied, il va falloir faire du bruit. On lève les bras, on va faire une belle vague comme ça. Allez, attention, là, voilà, mesdames et messieurs, public avec de la boule. Le lycée de Sévigné. Là, voilà, les bras en bas, attention. Chaud.
Allez, le lycée de Sévigné donc actuellement en tête avec une avance confortable. On a vu, semble-t-il, un excellent coureur à pied partir là. Donc derrière, ça va être tendu pour revenir sur lui. Faut juste tenir 6 km 400. Pierre, on est à, aux alentours de la minute, je crois, hein, de retard pour les deux équipes suivantes. Rien n'est fait, 6 km 400 du parcours pédestre. Et en attendant, le lycée de Cesson-Sévigné eh bien, est en train de faire parler de lui sur les écrans géants. Voilà, la poursuite est bel et bien lancée. Pierre, c'est ça, on va être aux alentours d'une bonne minute de retard. Allez, mesdames et messieurs, hein. Allez, dans quelques instants, face au podium, la sortie. On est calé, Steve, pour la hola de sortie. Eh ben, j'espère qu'on est calé. Allez, mesdames et messieurs, amis du public, les bras en bas. Les bras en bas et au passage du coureur à pied, on lève les bras. Allez, notre voilà. Ami de Massesson Triathlon. Et c'est l'équipe un plan à trois. Eh oui, c'est comme ils ça que ont ça à peu près, on va dire, 47, oui, plus d'une minute, à une minute 15 pratiquement. Et les Kiss Cool, les Kiss Cool à 1 minute 20, Pierre. Ah, les Kiss Cool sont à 15 secondes de la deuxième équipe. Et Poissy derrière. Allez, mesdames et messieurs, la même chose, là, 6, là, les bras en bas. Qui est à 8 secondes, donc ça va être chaud là pour les deuxième, troisième et quatrième places. Rien n'est fait. Le oh là team là. 3B. À notre jeune Pissiaquet, il a l'air remonté comme une pendule. Le et team Laura, Laura Cormier, Pierre, Laura Cormier est là pour une autre équipe de Poissy. L'équipe 5 de Poissy. Les allez, grands encouragements. Allez, la course à pied est bien lancée maintenant. Allez, ils ont besoin de nos encouragements. Ils s'élancent sur 6 km 400 d'un parcours pédestre en aller-retour sur le Remblai. Et déjà 2 minutes 30, Pierre, que les tout premiers se sont élancés. Encore très très belles images, regardez ces images d'ATV Productions, Régis et toute son équipe. Équipe numéro 50, Catherine et Liliane, partie sur la partie pédestre. Et derrière, on a les Bollooks. Marlo, Punch Power. L'ICAM Nantes. Les branleurs en soutif. Les Two Between. Allez, on a vu la sortie de l'air de transition pour Arthur Clouet de l'ICAM Nantes. Et les fameuses pompes à vin, Steve. Ah, les copines pompes à vin. Ah oui, elles s'en sortent bien, les pompes à vin. Avec le Dossard 206, c'est les Chickens Run. Et juste derrière, le 94, Family Brestac. Alors, quatre classements au programme, hein. Équipe homme, équipe femme. Classement Andy et classement étudiant. Quatre classements aux alentours de 17h, peut-être même un peu avant. Quatre podiums. Allez, mesdames et messieurs, faites du bruit, tapez dans les mains. Allez, ils ont besoin de vous pour partir sur ces 6 km 400 de course à pied. Et seuls vos applaudissements, vos encouragements les porteront jusqu'au bout. Allez, la sortie de l'air de transition pour les tripotes. On a les marteaux-piqueurs également. La Deren et Aline. Burgo Family. Les Jojo de la Braise. Les Panari Nantais.
Les inconnus sont là également à la sortie d'air de transition. Les fils d'Argot, Floraflex, les Bigleux. Allez, ça termine le vélo, ça repart pour une boucle, ça part en course à pied. Oh yeah. Ça bouge, ça bouge, ça bouge sur ce point central. Oh yeah. Allez, allez, mesdames et messieurs, vos encouragements. Allez, les couleurs de Montpellier, triathlon au départ de la course à pied. Et Stéphane Ignace qui s'élance pour les Andy. Et Faire Chavannes, l'équipe Rocco, Axel et Axel. La FNP Handisport. Allez, avec l'équipage 196, les bras cassés. De l'ADN 1. Et du mat 72, Wanabu, les trois béciles, les Schumanns, les gagneurs, l'équipe, ça urge. Allez, départ course à pied pour les 53 Forever. Allez, le départ course à pied pour les externes de Nantes. Les chasses Mustang, Poissy 3, les Newbacks, les revenants, les jacasses, les triathlètes, les beaufs. Oh là là, l'équipe 38 qui part à bloc, c'est Brel 1975. Allez, l'équipage 92, Family Pierre. Et puis Fanny jouait au départ de la course à pied, pardon, pour les Plasticiens. Derrière, on a les Vagogar, les Outsiders Amphibies, Touloulou, les Musaraignes Étrusques, les Amateurs. Thank you.
Alors que la tête de course vient d'effectuer son demi-tour après 10 minutes 15 secondes de course. 3 km 200 déjà d'avaler, Steve. Donc ça nous promet, allez, dans une petite dizaine de minutes, le retour et le franchissement de la ligne d'arrivée. A priori, pas d'inquiétude pour la victoire. Ouais, ils ont l'air bien partis là, notre équipe de tête pour inscrire le nom au palmarès de cette grande épreuve. Alors que la famille Fontenot s'élance pour le mat 72. Des costauds, des triphasés, des bras cassés, des sexy boys, des trimards, des kidam à la mer. Alors que le club des supporters du staff de Nencia et des Pom Pom Girls est en train de nous faire une nouvelle chorégraphie pour la sortie de parc. Des années de travail. Mais le résultat est là. Allez, sortie d'air de transition pour les TGB. Allez, l'équipe 74, Doudou Team Tri, s'élance avec le petit sourire au coin des lèvres. La Doudou Team est partie. Allez, tout comme l'équipe de Poissy Triathlon 4. Ah, ça galope, hein. All Inclusive s'élance. Derrière, on retrouve la Bisolet. Et l'équipe de filles, un gars. Allez, avec le sourire. Eh oui, c'est mieux, hein, avec le sourire. Bravo et bon courage. Les Bargeaux s'élancent à leur tour. Derrière eux, on retrouve le retour du trio insolite. Et regardez cette belle tenue du Dossard 54, la Choumo Team. Allez, le départ également pour les petits Lémuriens. Sans oublier les Bretons, Betty, les Avengers, la Proportion, la Brute et le Géant. Oh, très très beau déguisement là. Les étudiants, alors on va pas tarder à se positionner pour l'arrivée.
Allez, dans 4 petites minutes, ce sera l'arrivée de notre équipe vainqueur, donc le lycée de Sévigné. Allez, il va falloir qu'on se prépare dans un peu plus de 3 minutes pour accueillir les vainqueurs. Le lycée de Sévigné qui devrait l'emporter assez facilement. Notre coureur à pied sur le retour depuis déjà 6 minutes. Peut-être nous entend-il, le leader. Alors on a une belle ligne droite là, on compte sur vous hein, mesdames et messieurs pour nous faire une belle aide d'honneur, une belle hola d'honneur dans quelques minutes. La fête du triathlon ici sur le remblai à la boule. Allez, un des garçons de cette équipe du lycée de Sévigné, Benjamin, un petit commentaire, quelques inquiétudes à la fin du vélo, mais a priori tout se passe bien là pour vous. Ouais, ouais, on espérait pas revenir aussi vite sur la tête de course en course à pied là. Mais on avait vraiment confiance en notre coureur Gaëtan Viémont, qui est assez en forme en ce moment, et voilà, là ça va le faire et on est vraiment content. Ah, je crois alors... qu'il vous entend Gaëtan, hein. Il vous entend. Alors comme il vous entend les garçons, le nageur, comment c'est ton prénom? Nicolas, tu peux dire un petit mot en live à Gaëtan, je suis sûr qu'il t'entend là. Allez Gaëtan, bouge tes fesses, c'est pas fini là, allez, allez. Voilà, allez, Gaëtan, mesdames et messieurs, pour Gaëtan et pour les collègues du club du lycée de Sévigné, je compte sur vous pour la hola de folie là sur les 100 derniers mètres de cette ligne d'arrivée. Allez, les étudiants d'être salle avec nous pour nous aider à préparer la hola, mesdames et messieurs. On a une superbe ligne droite d'arrivée, noire de monde, des conditions idéales sur ce remblai ici pour, dans quelques minutes, accueillir les premiers concurrents. Et n'oubliez pas, sur votre smartphone, vous pourrez revoir sur le site des Pays de la Loire, France 3, toutes les images de ce week-end à la boule, des vidéos, des diaporamas, les résultats, les articles et le live, Pierre, aussi. Le live, on vous l'avait tout dit ce matin, 10h, 15h, 18h, les trois lives, les trois courses du jour en direct sur le site internet de France 3 Pays de la Loire. Et puis les réseaux sociaux qui fonctionnent aussi. Hashtag TriALB pour donner vos impressions, partager vos photos, n'hésitez pas là aussi. Allez mesdames et messieurs, dans quelques instants, l'arrivée de l'équipe vainqueur, l'équipe Implan A3 avec Gaëtan. Allez là, hola, on va la commencer dans quelques instants mesdames et messieurs. On met les bras en bas et au passage de Gaëtan, on les lève au passage de Gaëtan, pas avant, pas après. Allez c'est parti, là hola, la musique. Allez, on fait partir là haut là. Allez, 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 allez. Allez, les deux copains l'ont retrouvé. La victoire pour l'équipe d'Implan A3. Eh bien, je crois que le plan A3 est particulièrement réussi. Un retour plus rapide que l'aller, hein. Impressionnant. Alors qu'il avait le vent de face au retour.
Alors pour le chrono, 1h06 57 secondes. Allez, vos encouragements pour cette concurrente qui s'élance pour ce triathlète, paratriathlète aussi sur le parcours. Allez mesdames et messieurs, la deuxième équipe qui va arriver maintenant, là oh là, on vous rappelle, on baisse les bras au passage du concurrent, on l'élève, le lycée Sévigné qui va terminer à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Allez, à gauche, allez, à gauche. Allez les jeunes du lycée de Sévigné qui sont effectivement fait rattraper. Bien alors attention, on va devoir assister à un sprint probablement pour la troisième marche du podium. Allez mesdames et messieurs, vos encouragements pour le sprint final entre ces deux équipes. Là oh là, là oh là, là oh là, wow, 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 wow. Allez, on lève les bras, on lève les bras. Oh. Hey. Oui. L'équipe T-School. Et sur grand écran, départ de Marc-Antoine Guillon, qui va sans doute s'arrêter au tapis de chronométrage. Alors le plan A3, le lycée Sévigné, les tri-rameurs T-School. Quatre équipes en ont terminé. Allez, on applaudit bien fort ceux qui entrent dans l'ère de transition. On applaudit également ceux qui s'élancent sur une nouvelle boucle cycliste. Allez, on reste ultra mobilisé. On est à la boule et on est en train de vivre la 27e édition du triathlon Audencia. Allez là, hola, c'est parti. On lève les bras bien haut. Oh. On les accueille. Oh. Hola. Allez, les arrivées là vont se succéder avec notre collègue Andy là qui arrive. Voilà, allez, vos applaudissements, Stéphane, mesdames et messieurs, pour cet athlète attendu. Stéphane Ignace. I'm a true believer, longing for a simple life. Et c'est tout simplement l'équipe des copains. I was arrested by your eyes. Suivi de l'équipe Punch Power. L'équipe de Poissy, l'équipe 6. Le team RCN. Allez, mesdames et messieurs, amis publics, une petite hola pour le concurrent qui arrive maintenant. Oh, allez. Et là, nous accueillons les beaux looks. La fin du vélo pour certains, le début de la course à pied pour d'autres. L'arrivée pour les plus rapides. Vous êtes bel et bien en train de vivre le spectacle proposé par le Tri Relais Famille. Ah oui.
avec l'arrivée des trimartologues. Et le team Tiburce. Et dans une heure et demie, on sera vraisemblablement sur le point de libérer les athlètes élites course prestige qui nous attend 18h00 départ des féminines. 18h08, ces messieurs tenteront de les rattraper. Regardez ces belles images, ATV Productions, Régis et son équipe. Allez, tendez les bras, tendez les bras, tendez les bras. Allez, les arrivées des pingouins, les rapports de Pasquier, les poissineux, les inconnus. Allez, fin de course à pied pour la SBCC Team. Les Burgo Family, les fils Targo, les frères Chavan, la SBCC Team. Allez, l'arrivée des Jojo de la Braise et des petits loups. Allez, les Schumann, la centrale Lille Running. Panarin Antel, le Trifamily et le team Geffreny en ont terminé. Cash.
Ça arrive encore avec les Drakkars maintenant. Et Steve, ça va vous faire plaisir à l'arrivée des pompes à vin. Et la Steam également vient de franchir la ligne. La Tour S Brothers Fashion Week Team. Alors on vous rappelle que lors de la course internationale à 18h, France 3, Pays de la Loire, retransmettra les images bien sûr en direct via Internet. Avec les commentaires d'Anthony Brulez et d'Hervé Delaunay, co-organisateur et coach des Sables Vendée Triathlon. Arrivée des Brels 1975, des Bouineurs, l'Arrache Team, Berama, Fanama, 53 Forever. Les triathons sont arrivés, Poissy 1 également. CAC 40 a franchi la ligne, les NEPS. Et oui, c'est bon, c'est dans la poche, c'est fait. La FNP Handisport, le team bourré, la famille Piron, Flora Flex, Traquenard Team. Les Z Obris, Axel et Axel, VB Team One, les Trirameuses, Lettre Bar, les Cousins d'abord. Allez, on vous demande, une fois le ravitaillement franchi, de bien vouloir sortir du couloir d'arrivée afin de ne pas gêner l'organisation, les chronométreurs, les arbitres. Donc soyez gentils, ravitaillez-vous bien sûr, mais retournez assez rapidement à vos emplacements pour récupérer le matériel. Oh yeah.
Arrivée des allumés, les bras cassés, fausse fratriche, fuck you, l'effet pays, les Broncos de Brest, les 3B, SIL, les Nouméa, PJJ, les Bronzés du Dimanche, les Caisses à outils, les Pas Manchots, Just for Fun, les Outsiders, Amphibies, le Team Ebon, les NRV. Et bien sûr, une équipe des EY. L'arrivée des gagneurs, les Blue Wire Folks. Externe Nantes, les Mustangs. Allez, mesdames et messieurs, restez avec nous, continuez d'accueillir les triathlètes. Et puis on vous rappelle que le spectacle est loin d'être terminé. On vous donne rendez-vous bien évidemment à 18h tout à l'heure pour le départ de la course internationale. L'équipe Véroloup, Los Baleares, MLP Cholet. Et j'espère que vous êtes bien tous dans la place. Oh yeah! Allez, arrivé les Dalton, le Team Rocket. Le Team 98 et évidemment la Choumo Team. Les couleurs de Plumeur dans l'air d'arriver dans quelques petites secondes. Après la proportion, la brute et le géant. Fast as air, Killers 3 et Plumeur Triathlon. Le départ de l'équipe 115, allez avec vos applaudissements, Giga 7, 4. Allez, l'arrivée de la pile en folie, l'association Lena, les Ligériens, oh Gabi à l'arrivée. Oh yeah! Les Blaze Brothers! L'arrivée de l'équipe KFC, les costauds, les Dicomo! Les tontons flingueurs! Et l'équipe des Dynamite Dry! Allez, l'équipe, viens là, mon minou, le CFP Sportri. L'équipe des viandards. Les Chica Boys, Family Breakback, tout l'Olu, les triathlètes du 4295, les côtes de sport et les BCBG. We'll be right back.
L'équipe étudiante, un plan à 3 est attendu au niveau de la tente presse, s'il vous plaît. L'équipe étudiante qui a gagné le tri-relais. L'équipe, un plan à 3 attendu au niveau de la tente presse à l'arrière du car podium, s'il vous plaît. Merci. Alors on me rappelle que l'équipe un plan à 3 est attendue au niveau de la tente presse à l'arrière du car podium, s'il vous plaît. SMA Team en famille, bras cassés, LP GBR également, Cubic, Fracao, ICAM Nantes, équipe 4, les chouchous joli cœur. Pierre Valdeux, les Kermathlètes, Nathalie, les Costauds, Lars Sen, le Roi, les Travestris. Allez, l'ICAM Nantes, équipe de The New Bags, GSM, les Trimarans, Chat, Isego, les Goélands ligériens, Betty, Alzaco, Elite Team, la Bisolée. L'arrivée des écureuils de l'ICAM Nantes, 2. Allez, Los Caballeros, les Plasticiens. Il arrive également des Costa Armoricains, les Black Pampers. Même pas peur de le retour. Les Tri-Martelodes sont également attendus en temps de presse, s'il vous plaît. Les Tri-Martelodes sont étendants attendus au niveau de la tente presse à l'arrière du podium. Merci. Allez, on rappelle une nouvelle fois l'équipe victorieuse. Un plan à 3 sont attendus au niveau de la tente presse à l'arrière du podium, s'il vous plaît. Do you wanna... Arrivée des bras cassés, des merguez, les baltringues, le Mexico Team, les Macheries, les Barbus, les Canet Riot, les Fous de Dieu, le Team des pieds et des mains. L'équipe du mariage gros. Rappelle que l'équipe un plan à 3 est attendue au niveau de la tente presse à l'arrière du podium, s'il vous plaît.
et les Tri Martelode. L'équipe des Tri Martelode attendue également au niveau de la tente presse. L'équipe Implant à 3 et l'équipe des Tri Martelode attendu s'il vous plaît au niveau de la tente presse à l'arrière du car podium. Merci. Et G6 en force, les ours du raid, les Magamoon, le Postec, les tout-terrains, les ours du raid. Allez, petit message à l'attention des coureurs à pied qui en ont terminé. Voilà, une fois que vous vous êtes ravitaillés, merci de bien vouloir regagner tranquillement l'air de transition afin de désengorger un petit peu le stand Getaway pour le ravitaillement. De façon voilà, à laisser de la place à tout le monde, hein. De nombreux coureurs à pied sont en train d'en terminer maintenant. Merci de bien vouloir regagner l'air de transition quand vous vous êtes ravitaillés. Allez, l'arrivée de l'équipe, on fume, on boit, on est devant toi. Allez, on vous rappelle qu'aux alentours de 17h, nous aurons les podiums de ce tri-relais Challenge étudiant et Challenge handisport. N'oubliez pas le stand développement durable sur le remblai côté plage, un peu avant l'arche d'arrivée, avec l'installation de vélo blender, des lots à gagner. Et puis sur triathlon-audentialabowl.com, toutes les informations, toutes les images sur ce week-end 2014. Les réseaux sociaux, photos, impressions, hashtag TriALB. Et bien sûr, France 3, Pays de la Loire, sur Internet, avec toutes les courses en direct, les résultats, des diaporamas, des vidéos sur l'appli mobile, sur votre smartphone. Possibilité de suivre en direct tout ce qui se passe actuellement. Et tout au long de la semaine prochaine également, vous pourrez vous voir à l'arrivée sur France 3 Pays de Loire. Les TGB Mad Audencia Atlanta 2 MTGB Power Pneumo. Pierre Eval 1, les mouches qui louchent, les tout ou rien. Rien à perdre, pardon. Brio 5, la Jack Team, les Belles, la Belle et les Bêtes, le Team Berlioz, les Cous 1, Momos Team, Jack & Co, Atlanta 1, les Castel Rock, les Pistards. Allez, l'équipe des Tri Martelode et l'équipe du Implant à 3 sont attendus au niveau de la tente presse à l'arrière du car podium, s'il vous plaît. Non, l'équipe des Trimartelode et l'équipe victorieuse. L'équipe de Implant à 3 sont attendus au niveau de la tente presse à l'arrière du car podium, s'il vous plaît. Merci. Thank you.
l'équipe des Tri-Martelodes. Et de un plan à trois attendu au niveau de la tente presse à l'arrière du podium. Merci. Ça va bien se passer, vient de franchir la ligne. ICAM Nantes, équipe 1. GDJ. Allez, Sportif Me Too, One, les Triponades, Thomas Coulibans. Et n'oubliez pas, 17h, les podiums, 18h, départ de la course internationale féminine, suivi à 18h08 de la course masculine. Une poursuite avec un classement scratch, hommes-femmes confondus à l'arrivée. Donc cette année encore, est-ce que les féminines vont se distinguer? Et enfin, prendre... Montée sur la plus haute marge du podium, réponse bien sûr aux alentours de 19h. Ma globule moucroute, AES, les accros. Et encore un grand, grand merci à la SM85. Eh oui, la SM85 qui fait du gros, gros boulot pour la sécurisation des parcours. Allez, restez bien avec nous, la fête est loin d'être finie. Le spectacle se poursuit dans un peu plus d'une heure avec une course à suspense. À suivre absolument un très beau plateau de récents champions du monde présents sur cette épreuve internationale. Allez, l'arrivée des Camkish d'Atlanta 3, le Trination, le Cocotim, les Yokafa, Saint-Félix. On attend toujours l'équipe, un plan à 3 et les Tri-Martelodes, s'il vous plaît. Un plan à 3 et les Tri-Martelodes, attendu au niveau de la tente presse à l'arrière du podium. Allez, les arrivées de Sportif Mito, l'été Baudière, les Américains, Mivapa, Zab Guigère, les Somotines, Oligocyte 21, Gigabit. Alors on demande aux coureurs à pied qui en ont terminé de bien vouloir commencer à évacuer un petit peu la zone de ravitaillement pour permettre aux coureurs qui arrivent seulement maintenant d'accéder eux aussi au ravitaillement et puis de retourner tranquillement dans l'aire de transition, récupérer votre matériel. Merci. L'arrivée des sans impératif, prenons l'apéritif. Les surfeurs,
Alors que l'équipe des Tri Martelode et d'un plan à 3 et sont toujours attendus, pardon, au niveau de la tente presse. Ils se situent à l'arrière du car podium, l'équipe des Tri Martelode. L'équipe Multipower. Allez, bravo à cette doublette qui en termine. Highlanders, les Amar 2, The Vibes, les Orénoc, Saint-Félix, équipe 2. Beau fracas. Et regardez, regardez ce sprint entre filles. Elles sont 7 à l'arrivée.